Namasté les divines et les divins. Alors, comme promis, cette semaine, un horoscope supplémentaire pour la Saint-Valentin qui aura lieu dimanche. Donc, c'est un horoscope, on va dire, spécial pour les amoureux et les amoureuses, mais aussi pour l'amour, tout simplement. Hein, on n'est pas obligé de déclarer sa flamme à son conjoint, sa conjointe, mais bon, ça peut être aux enfants, à sa mère, ses parents, n'importe qui, hein. On va élargir la fête, on va dire, entre guillemets. Et donc, c'est un horoscope qui spécial, on va dire social, sentimental, et qui s'adresse aussi, aussi bien au couple, légitime ou pas, et aussi aux célibataires, puisque bon, que ça soit choisi ou pas, enfin voulu ou pas, le célibat, donc on recherche quand même toujours un peu la personne, au moins pour passer des bons moments. Après, construire sa vie ou pas, tout dépend des contrats qu'on a passés là-haut, avec ces personnes-là. Donc, ça peut être marrant aussi de comparer l'horoscope entre couples, hein, avec la personne que vous voulez, que vous aimez. Et puis, bah, même, ça peut être aussi marrant hein, par rapport à des collègues ou de la famille, en fonction des affinités. Donc voilà, ça peut être aussi un petit jeu comme ça, marrant. On va pas trop se prendre au sérieux. Et puis comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne. Car comme j'ai préparé, bon, y a des petits signes où, bon, même si c'est la Saint-Valentin, ça va être chaud, mais dans tous les sens du terme. Donc voilà, donc prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle. Et puis allez voir aussi, comme pour les horoscopes hebdomadaires, votre ascendant, hein, ça peut être aussi amusant, ça peut vous donner des renseignements, des informations, hein, puisque je demande à ce qu'on me transmette ce que vous attendez, donc bon, voilà, mais ne prenez pas tout à la lettre, ne prenez que ce qui vous parle du cœur. Donc voilà, donc amusez-vous bien, et puis bonne Saint-Valentin, et à très bientôt. Namasté. Namasté les Vierges. Alors, pour cette journée particulière de l'amour, les Vierges, que vous soyez en couple, officiel ou pas encore déclaré, ou que vous soyez tout simplement célibataire, de votre propre chef ou pas, hein, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, je me suis inspiré de l'oracle des animaux sauvages, et nous avons eu, attention les yeux, une superbe araignée, hein. Vous allez tisser votre toile pour attraper la personne tant désirée. Je suis aussi inspiré du tarot chinois. Donc là, nous avons le maître de la sagesse. Ben ça, les Vierges, hein, on ne peut pas mieux faire en sagesse hein, quand même. Et enfin, j'ai pris une carte du tarot du karma. Et là, nous avons eu la grand-mère du feu. Attention, ça va péter sec. Alors, pour ce jour particulier, les Vierges, comme d'habitude, vous rêvez pas mal, hein, que vous soyez en couple ou pas, ou célibataire. Et je pense que ça va être une journée pour peut-être pour réaliser ou concrétiser vos rêves et de passer, on va dire, franchir un pas supplémentaire dans l'engagement. Bon, je sais que chez les Vierges, on peut être un petit peu sur la réserve hein, pour les engagements, ou alors trop dans le pot de colle, qu'on va dire. Je blague. Donc là, bon, là, de toute façon, vous allez, bon, pour les couples, officiels ou pas, bon, ça va se concrétiser, ça va être assez l'osmose. Bon, pour les célibataires, je pense qu'il faut augmenter vos recherches et aussi faire en sorte de pas trop rêver dans le sens où il faut passer à l'action. Parce que si vous passez votre temps à rêver, voilà, il n'y a rien qui se passera parce que vous rêvez, hein. Bon, je sais que les Vierges sont des gros rêveurs, des grosses rêveuses. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est comme ça. Donc, il faut, ben là aussi, il faut engager l'action. Hein, les réseaux, les petites annonces. Mais attention, hein, quand même. Et par contre, que ce soit que vous formiez un nouveau couple, un couple déjà en commun, ou les célibataires, ce qui va se passer, c'est que ça va être... pour le futur, ça sera quand même quelque chose, une construction durable, solide.
Et en même temps, ça sera une union, on va dire, dans tous les sens larges du terme, quelque chose qui va vous combler à tous les niveaux. Donc, pour cette journée particulière de l'amour, vous êtes sur la ligne de départ et ça va être, ça va, bon, ça va pas se faire en un jour, mais bon, ça va être quand même quelque chose qui va vers ce que vous attendiez. Bon, pour les couples ou ceux qui ne le sont pas encore, ça va, on va consolider tout ça. Et par contre, pour les célibataires, eh ben, franchissez le pas, déclarez votre flamme. Allez, bonne Saint-Valentin et à très bientôt. Namasté.